Est-il encore nécessaire de présenter la boutique Marathon? Je crois pas. On est en compagnie de Fred Choctaw. Alors, ce début d'année, comment ça va? Bonjour Yves-Marie, ça va très bien. Les soldes ont bien démarré. Trois coups de cœur, hein, comme les petits copains de Nantes. Alors, on commence par un modèle route. Alors, on va commencer par un modèle compétition route. La Wave Ronin 3, hein, version 3e génération. Chez Mizuno. Chez Mizuno. Une chaussure de compétition jusqu'au semi-marathon, très dynamique, ou marathon pour les coureurs les plus confirmés, c'est-à-dire à moins de 2h30 au marathon. Voilà. Son prix? Son prix, 110 euros. Son poids, tu le connais? Alors, 220 grammes. Ok, donc on est vraiment là sur un modèle léger. Très léger. On continue sur un autre modèle route qui a un peu ton coup de cœur aussi 2011. Voilà, ça va être le retour de la Gel Landrette Asics, qui est un produit dynamique dans la gamme entraînement, hein, qui reste un amorti confortable au talon et sur l'avant, avec un nouveau système de chaussons plus compressé sur le talon, qui permet d'avoir un meilleur maintien dès l'attaque du talon au niveau de l'amorti. Est-ce qu'on peut le recommander pour tout poids, ça, ce type de chaussure? Non, jusqu'à 90 kg maximum. Mais quelqu'un qui souhaite un produit dynamique dans la gamme Asics, on l'orientera vraiment sur la Landrette 6. La Gel Landrette 6. En prix, on est à combien là, sur un modèle comme ça? On est à 130 euros. D'accord. Alors, un petit coup de cœur trail, on approche du Marathon des Sables. Et tu voulais me présenter... Ah non, tu avais un modèle route encore. Voilà, allez, un dernier modèle route. Ok, adjugé. Voilà. Une nouveauté, en fait, ça fait depuis un an, Adidas a sorti la Adistar Solution, a enrichi sa gamme. On a un produit vraiment pour tout poids, avec un maximum de confort, de souplesse. Hein. Donc on a l'Adistar Solution, au prix de 130 euros. 130 euros, une valeur sûre chez Adidas. Alors on passe maintenant au trail. Tu voulais me présenter un petit modèle qui était ton coup de cœur 2011, parce que le Marathon des Sables approche. Et j'imagine que tu as pas mal de clients qui viennent chez toi s'équiper. Voilà, on a énormément de clients à cette période de l'année qui viennent s'équiper en chaussures de trail, et notamment pour le Marathon des Sables, et aussi pour l'hiver et pour la neige. Donc on recommande cette chaussure avec une gâte intégrée, hein, de la marque Saucony, la Grid Razor. Hein, qui est sur une base de la ProGrid Exodus au niveau de l'amorti, semelle en Vibram, très bonne accroche pour la montagne, pour le sable, pour tout type de terrain sur trail, et surtout avec une guêtre étanche pour le sable, la neige et l'humidité. Voilà. C'est un modèle qui a un look plutôt sympa. En prix, on est à combien là sur un modèle comme ça? Là, on est sur du prix haut de gamme, 150 euros. Avec une bonne protection. 150 euros. En poids, c'est un modèle qui tourne autour de combien? 380 grammes. Alors on se retrouve au rayon accessoires, vas-y montre-moi ton petit coup de cœur 2011 Fred. Alors ça a été mon coup de cœur fin 2010 et 2011 vu les intempéries qu'on a connues cette année, aussi bien pour les marcheurs que les coureurs, c'est le système Yatrax pour toutes chaussures running et chaussures autres pour la neige. C'est-à-dire que tu venais en moto le matin avec ça, voilà. Et quand tu descendais de ta moto, tu utilisais ça pour traverser la rue? Pour marcher, oui, dans la rue, dans les rues parisiennes, on était obligé de porter les Yatrax pour pas glisser. Et en moto, non, c'était pas praticable. De toute façon, à quoi ça sert? Alors, ça sert à avoir plus d'accroche sur la neige. Donc, c'est à installer sur la paire de chaussures très facilement. On enfile ce système de chaîne sur la semelle avec une sangle sur le coup de pied pour maintenir la chaîne. D'accord, donc c'est très simple à installer. C'est visiblement très léger. Et ça coûte combien ce petit accessoire? 29 euros. 29 euros, voilà. Donc, même si on va vers le beau temps, c'est peut-être un accessoire qu'il est intéressant d'acheter avant la fin de saison hivernale. Merci Fred de nous avoir reçus et puis à très bientôt.